Bonjour à toutes et à tous, ici Seri Kai et je vous retrouve sur Napoléon avec le mode The Great War. Donc toujours avec les Ottomans, on essaye de pousser contre les puissants alliés, donc on va continuer la montée vers Naples. Ça se passe pas bien du tout, je veux dire, Bruxelles, bon, est neutre, la Belgique est neutre. Le Tyrol est tombé aux mains des Rital. On a le pire, on a également la Galicie qui est tombée aux mains des Russes. Alors la Serbie, on est comment en termes de troupes? Si j'ai gagné mon armée. Moins 1. Ça passe au prochain tour, ça passe. J'envoie tout de suite mon armée vers... vers Venise. Non, je peux pas me permettre non plus de trop envoyer mon armée vers Venise. Parce que faut que je tape la Roumanie qui va bientôt entrer en guerre au début 1916. Et après, je m'occupe des Russes. J'aime pas voir ces Danois là qui sont juste à côté avec leur maudite flotte. Qu'est-ce qu'ils foutent les Suédois aussi? Vous voulez pas plutôt envahir, je sais pas, l'Italie? On voit bien que c'est l'IA qui vraiment déteste le joueur, qui va lui casser les couilles au joueur. Je sais pas, Danemark et Suède, vous envahir mutuellement? Ou envahir, je sais pas, la Norvège? Ou la Suède, tu veux pas récupérer, je sais pas, la Finlande? Je sais pas, hein, je dis ça. C'est pas le pratique, hein. Bon, alors, je vais essayer de... goûter ce qu'on peut. Y a rien à Naples. Oh, putain. Ont une. Gouvernement, est-ce que j'ai. La Grèce ou la taxe à nouveau? Voilà. 4 000 de thunes. La vie me coûte cher. Hein. Et ça sert pas à grand chose à Navy, elle coûte super cher. Où est-ce que vous allez, les Suédois? La Suède mange la Norvège ou la Finlande? Le Danemark mange la Norvège, au pire. Ralliez-vous à nous, merde! Il va vraiment falloir que je botte le cul des. Ah bah l'avion ennemi était abattu! Finalement. Ouais, un bonheur pour la plaie basse, mais ça fait des frics en plus. Pas me permettre non plus de trop dépenser dans l'infrastructure. Naples! Une passe au militaire, on va réparer. Propagande de masse. Propagande de masse est parfait. Non, pas machine gun. Ce que je veux, c'est les... obusiers. Après avoir côté que de la plaie basse. Pas que de la troupe de base. Et hostile. Tu veux pas rendre le Tyrol? Alors s'approcher de Rome, enfin s'occuper. Y a presque rien à Rome.
Rome est mal défendue, hein. On va monter. On va espérer qu'à force de taper sur le Rital, l'Autrichien a peut-être se bouger le cul. Il a repris la Galicie. Pas plus mal au final. Par contre, si la Bavière tombe aux mains des Italiens, là, franchement, je rigole. Oh, je ris. Plus 1, on a 7 et 10. Déjà l'armée, on a combien? À moins 5. Voilà, on va trop comme avancer. Et à Constantinople, on va recruter de la troupe en plus. J'essaie d'avoir assez de troupes pour pouvoir envahir bientôt quand on pourra la Roumanie. Je compte sur l'Autriche pour me sécuriser les Balkans. Belgrade va tenir un petit peu. La résistance nationale, c'est quoi ça? Les opposés à la guerre, ouais, ben ils sont gentils, mais. Ah, la TNT est pratique comme avancée. C'est quoi ça, Naples comme bâtiment? Pas une école qui va falloir que je démonte elle. Avoir trop d'école. Hein. Putain, ça dégage le. Oh putain, il dégage tout à Rome. Oh. Il a évacué le pont. Ah, la Turquie était bloquée, attendez. Alors, le collège ici va être remplacé par un village. Ils se plaignent. Vous savez quoi? Regardez. Va donner une raison de se plaindre à ces glands. Prochain tour, il n'y aura plus d'impôts. Et je vais attaquer Rome, la capitale. Et... Oh, il n'y a personne. Va leur apprendre aux Italiens. Je donne thunes en plus. Et bim, tout le réseau routier financé par le pillage du Vatican. La capitale, c'est Venise maintenant. Oh putain. Va faire la paix tout de suite. Peut-être parce que ils sont parce que la guerre a éclaté il y a moins de 10 tours. La France, j'ai pas vraiment envie de m'occuper de la France. L'Empire russe, par contre, il va falloir que je tape dessus. J'ai aucune. La France et l'Angleterre, je peux faire la paix avec eux. Par contre, j'ai aucunement envie de faire la paix avec les autres communs. À qui je pourrais être allié? Même avec tout ça, il veut pas? On peut déclarer la guerre à la Suisse. Ah, voilà, la Suisse est reconnue comme neutre.
J'aime pas ça. Moi, l'Autriche va peut-être pouvoir bouger le cul et s'occuper de l'Italie, j'espère. Alors, Naples, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est bon, y a plus problème de... y a plus problème? Ils ont cramé quoi, le collège? C'est pas grave, y a plus de collège, bande de crétins. Italie centrale. Les USA envahissent Haïti. Ah! Suite à leur révolte réussie contre la France en 1804, l'île d'Haïti a maintenu une relation tendue avec leurs voisins du Nord, les USA. En espérant maintenir la suprématie américaine sur l'hémisphère ouest, les États-Unis utilisent la diplomatie canonnière dans de nombreuses occasions. Voilà. Ils ont forcé les Haïtiens à accepter leur demande un peu plus pressante, l'autre alternative étant le bombardement et l'invasion. Mais au début du XXe siècle, la relation est devenue un peu plus une relation de patronariat plutôt que de l'hostilité. Avec les multiples prêts américains qui forçaient la nation à rester liée aux USA. En 1910, une unité importante de migrants et de natifs en Haïti ont créé l'inquiétude aux USA, parce qu'ils ont commencé à dominer l'économie locale. Bien sûr, ces migrants avaient gardé des liens très proches avec leur mère patrie. Une série de coups, de guerres civiles, d'assassinats politiques. La stabilité de Haïti est devenue une source d'inquiétude pour les business américains. La crainte, c'est que les Allemands solidifient leur contrôle sur l'île et soient une menace majeure, notamment le canal de Panama. Wilson, qui se prétend le président de la paix, a autorisé l'invasion de Haïti. Haïti est donc placé sous commission militaire américaine. Bon, là, Rome, ça va être pillé, dévasté. Le collège de Pérouge, on va le transformer en village. Permettra d'éviter, comment dire, la présence d'intellectuels Casburn. Pas la peine de construire ça. Ça va être cramé par des révolutionnaires en furie. Et voir recruter plus de troupes. Quelle est la différence entre eux et eux? À part la défense et le moral. Leurs stats sont tout aussi meilleurs, voilà. Ça, on va recruter de la troupe et dès qu'on pourra, je complète l'armée pour préparer l'invasion de la Roumanie et de la Bosnie, enfin la Bessarabie. La Roumanie, la Moldavie, Bessarabie. Et après, on essaiera de taper sur la Crimée. On peut prendre le sud de la Russie pour les faire chier les Russes. Quatre provinces là. Plus ces deux-là, ça ferait six provinces pour l'Empire Ottoman. J'aimerais bien que les troupes autrichiennes là, qui sont là, elles se bougent le cul vers leur pays, là, qu'elles le reprennent. Putain, je vous jure. Bon, pareil. Bon, 21 tours où ça va gueuler. J'ai plus d'un an. Donc je vais rester à Rome un petit moment en fait, je pense. Hein.
Je vais laisser notre con se démerder avec le nord. Et également le problème de ces îles-là aussi qui vont nous casser les pieds. Une caméra de plus, ce sera bien. Nappe en plus de ça, Naples, c'est. On va les taxer à nouveau, hein. Je veux dire, j'étais gentil pendant un tour ou deux. On va dire c'est bon, j'arrête de vous taxer maintenant, vous allez raquer les mecs, hein. Est-ce que j'ai la tech? Je vais la rechercher. La première chose que les mecs font quand ils sont pas contents, c'est qu'on crame les écoles. Oh putain, bande de singes. Oh, l'Autriche bouge ses hommes. Incroyable. Ouais, l'IA, c'est pas la plus dangereuse en fait, hein. Rébellion! On va laisser gueuler, hein, après tout, on n'est pas pressé. Et on va laisser tout cramer au pire, hein, moi je m'en fous. Une blague. Comment je fais pour perdre contre ces clochards? Si j'ai fait moi-même, ce serait pas arrivé. Mais bon, j'étais trop feignant. J'assume, le général était hyper con. Allez, le gros feignant. On a dégagé l'héritage, c'est bon. Ils vont donc s'amuser à tout cramer pendant 25 tours. Ben, je vais laisser tout cramer et qu'ils s'amusent, les gars. L'armée de Clodo, là. Town, factory. Warehouse. Ville. Les tables, voilà, là c'est pour ça que je fais pas juste de bâtiments chez qu'ils aient tout rasé les gars, donc c'est des sauvages. Hop, sniper là, les bâtons d'élite, infanterie de ski. Oh putain, 38, 4. 400! Attends, bouge pas les snipers, je vais vous les recruter là, les mecs. Oh putain, 400 de portée, mais c'est génial. Alors ça, ils sont moins nombreux, mais 400 de portée. Ah, ils ont repeint la Galicie, les Autrichiens. Raid ennemi à Assisi. Ah ben, amusez-vous les gars. Pour ça, j'en refais mes armées. Être régiment, c'est tout ce qu'il me faut. Hop. Technologie.
Ah, les barrages. Elle marche, je sais pas ce qu'il fait, ce con. British, les Français, ils vont jamais faire la paix. Le Rétal. Monsieur qui voudra jamais. T'inquiète, c'est la prochaine arrivée en guerre de la Roumanie. Inévitable. La Roumanie et la Grèce sont faites pour entrer en guerre du côté de l'Entente. Donc c'est pour ça que je les ai annexés le plus vite possible. Regarde-moi ces débiles. L'armée souffre toujours, hein. C'est toujours les mêmes mecs qui sont blessés, hein. J'ai pas des mortiers lourds. 500. 640, 335. J'essaie ceci pour voir. Peu de fun. Le reste, on va renforcer. Là, on voit les petits trains qui se déplacent. Ah bon, général? Pourquoi j'ai encore Mustafa Kemal à Atatürk? J'ai deux Mustafa Kemal? Non, pas possible. Ils ont fait deux fois Mustafa. Quand fout de ça. On développera l'économie ici un peu plus tard. Sinon, je voulais envoyer ces deux putains d'îles qui étaient la Corse et la Sardaigne. Ah, les émeutes de Pâques. Après avoir été absorbé dans le Royaume-Uni, de nombreuses révoltes et incidents ont marqué l'Irlande. C'est un long combat pour l'indépendance. Le Parlement britannique est préparé de retourner la souveraineté politique à l'île, mais face à la guerre globale, la question irlandaise a été écartée et oubliée. Plutôt que de donner le droit et de voter pour donner à l'Irlande la liberté politique, hein, la question a été repoussée. Et comme l'acte a été repoussé encore une fois, en février 1916, le peuple de l'Irlande a reçu un ras-le-bol. Et les réactions révolutionnaires ont lancé des attaques contre les principaux sites à Dublin. Les combats sont longs. Les rebelles se sont rendus le 29 avril. Bien. Il y a bonne chance, on va peut-être avoir un effondrement de l'Empire britannique si jamais il continue à casser les couilles en Irlande. Si l'Irlande peut s'effondrer, moi je dirais oui. Hein. Prochain tour. On va gentiment patienter. Va avancer tranquillement. Moi, je ne peux plus avancer au-delà de Rome parce que je suis bloqué à cause des révoltes pendant au moins une vingtaine de tours. Donc, il faut rater que l'IA se bouge.
Alors qu'est-ce qu'il fait ce con? Mon armée est en ruine. L'armée de rebelles là ne pourra plus tenir éternellement. Or toi je vais attendre ici. Je vais attendre l'entrée en guerre et puis en attendant le fric va partir dans déconstruction pour ramener plus d'argent dans les caisses. Voilà ce qu'on va faire en attendant. De toute façon. L'Irlande! Ah bah voilà! L'Irlande indépendante! Bim! Parfait, la coopération avec l'Irlande signée! Putain, les Anglais qui ont envie de perdre l'Irlande! Oh, c'est beau! Et je pense que c'est cette perte de l'Irlande qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon. Les rebelles irlandais partout. Ah non, ça me fait chier, je veux pas les fumer. Le problème, c'est que maintenant que je les ai fumés, voilà, ils vont nous se mettre à gueuler. Moins 3. Si j'annule les taxes, c'est les nobles qui gueulent. Est-ce que je peux avoir construire d'autres bâtiments dans mon empire? Bon, le port ici est en ruine, malheureusement. Les étables ici. Il faut combien? Il me faut 2500. 3000. Combien de pognon? 631, c'est très peu 631. Super général. Atatürk. Le conquérant de l'Italie. Pourquoi c'est que les nobles ils gueulent aussi, c'est con. La bourgeoisie ils gueulent. Catholique 89% bien sûr. On va réparer tranquillement les structures. La noblesse gueule. Elles sont détruites, l'Irlande. Oh putain, non! Putain, d'accord, les Français sont venus filer un coup de main pour détruire l'Irlande. Les bâtards. Par contre, en avion, on va déplacer pour avoir un peu de reconnaissance sur ce qui se passe au nord. Grosse arrêt par là. Milan, il n'y a quasiment rien à Venise. Intéressant. Pourquoi ils gueulent encore les arrestos? Des aristocrates, puis on s'en foutra. On va se servir. Et puis si Rome ça se plaint encore, on taxera à fond. Combien de. Combien d'espions dans ma gueule dans cette église? Dans cette université. On va attendre. Hein. Il faut que j'accumule de l'argent. Ça aide l'argent à être accumulé.
Encore des rebelles de la part de l'élite. Ah ben on va... Il faut vraiment les réprimer ces FDP. Les réprimer ces petits cons. Assembly Line, c'est recherché dans 5 tours. Sarajevo, on est bientôt là. C'est quoi ça? Recrutement de troupes étrangères. Réforme capitaliste. On fera les réformes capitalistes pour avoir plus de fric. Réforme administrative, ça sera pratique pour baisser les coûts d'administration. Ok, il y a quand même une belle armée à Venise. Je pourrais pas lancer à la fois une attaque sur Venise et sur l'Italie centrale. Donc, il faut que je prenne Venise, que je la refourgue à l'Autriche et j'attaque l'Italie centrale. Bon, on peut les fumer, c'est FDP. D'ailleurs, j'ai dit que je m'arrêtais là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde!